heureusement était là ce grand être qui remplissait l'univers. Elle est là, Elohim, et de lui est sorti cet halo de lumière appelé les logos. Oui, la parole. Oh, oh. Et là-bas au commencement était la parole, et cette parole était là avec Dieu. Cette même parole était elle-même Dieu. C'est par là qu'elle a créé tout ce qui existe, d'invisible, d'invisible. Oh, la parole, si tu cherches la délivrance, ne va pas loin de la parole. Si tu cherches les saluts, ne va pas loin de la parole. Ma force, c'est la parole. Ma force, c'est la parole. Mon succès, c'est le message. Mon succès, c'est le message. Ma réussite, c'est la parole. Ma réussite, c'est la parole. Oh, oh. Seigneur, remplis mon cœur de ta parole, ô roi. Seigneur, remplis mon âme de ta parole, ô Dieu. Car en moi, elle créera tout ce que je désire. Car en moi, elle créera même mon travail. Car en moi, elle a créé mon mariage. Car en moi, elle a créé mon royal. Oh, ma force est la parole. Ma force est la parole. Ma réussite, c'est le message. Ma réussite, c'est le message. Oh, mon succès, c'est le message. Mon succès, c'est le message. Oh. Et pour prouver que c'était la même parole, et pour prouver que c'était la même parole, dans cet âge elle a créé cette épouse. Dans cet âge elle a créé cette épouse. Dans cet âge elle a créé des écureuils. Pour cela, Branham pouvait créer. Il pouvait même donner la vie. Oh, ma victoire, c'est la parole. Ma victoire, c'est la parole. Oh, ma réussite, c'est le message. Ma réussite, c'est le. Oh, mon succès, c'est la parole. Mon succès, c'est la parole. Oh, ma délivrance, c'est le message. Ma délivrance, c'est le message. Oh, oh. Nous avons tout dans la parole. En dehors de la parole,